Lors de la dernière campagne électorale, je m'étais engagé à rendre compte à la population de l'avancement de mes engagements électoraux. Pour ce faire, à chaque année, j'ai présenté un bilan regroupant l'ensemble de mes actions dans divers dossiers. À chaque 3 mois, j'ai présenté un bulletin où mes actions, mes réalisations et les activités auxquelles j'ai participé ont été présentées. Et en plus, j'ai tenu 2 assemblées citoyennes par année pour faire en sorte que les citoyens puissent venir me voir, me parler de leurs préoccupations, de leurs dossiers, mais aussi de connaître le travail du député. Je prends donc l'engagement de poursuivre dans cette direction. Mais de plus, durant la prochaine campagne électorale, nous allons organiser ce qu'on appelle des assemblées de jardin. Une assemblée de jardin, c'est une assemblée, une rencontre que vous pouvez organiser dans votre jardin, dans votre cuisine, avec vos amis, votre famille, vous pouvez même inviter vos voisins pour discuter, échanger, pour apprendre à me connaître, pour qu'on puisse parler ensemble des préoccupations des gens de Saint-Jean. C'est donc une rencontre que nous voulons citoyenne, mais aussi importante pour faire des bons choix en vue de la prochaine campagne électorale. Un des sujets qui sera le plus abordé dans les assemblées de jardin, je suis certain, ce sera l'intégrité et l'éthique. Et c'est pour ça que je suis fier de représenter le Parti québécois qui a fait le choix de l'intégrité. Le programme du Parti québécois est clair. Instaurer les élections à date fixe, limiter à 2 mandats le mandat du premier ministre et à 3 pour les maires. Réduire à 100 $ le don accepté aux partis politiques. Faire en sorte qu'on élargisse le mandat du vérificateur général aux sociétés d'État pour mettre de l'ordre dans les finances de nos sociétés. Instaurer les référendums d'initiative populaire pour faire en sorte que durant un mandat du gouvernement, que les citoyens puissent avoir un mot à dire dans la gestion du gouvernement. Mais surtout, d'abolir les primes de départ pour les députés qui quittent durant le mandat. Fidèle à son habitude, le Parti québécois est un parti démocratique. Donc, ces idées ont été adoptées par nos militants, par nos membres. C'est ce qui fait la force de notre parti, c'est ce qui va faire la force de notre gouvernement. Choisir le Parti québécois, c'est choisir l'intégrité. C'est choisir de mettre fin au mutisme. C'est de choisir des représentants qui ont les mains propres, qui sont hors de tout doute face à la corruption ambiante et qui sont prêtes à servir les Québécoises et les Québécois. C'est à nous de choisir. Une de mes principales préoccupations, c'est le Parti québécois. Oui. Oui. Et c'est pour ça que je suis fier de représenter le Parti québécois. Un parti québécois. Là, c'était l'autobus. Là. Je me souviens pas ce que j'avais dit avant. Sinon, j'aurais pu le répéter pour faire une. Mais je me souviens pas. Durant la prochaine campagne électorale, nous allons organiser. Là, c'est le vent qui m'a déconcentré. On peut le refaire peut-être. OK. OK. C'est à nous de choisir.